bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man et nous en sommes à l'épisode 4. Comme d'habitude, mettez la qualité la plus haute qui vous est proposée, c'est toujours plus agréable. N'oubliez pas de prendre de quoi manger, se délecter, de quoi boire aussi, parce qu'on va rester une demi-heure ensemble et on était parti pour continuer notre aventure. Direction donc notre objectif, où on devait allumer une tour. Parce que là, on est dans le brouillard total. Évidemment, ça risque d'être terrible. Ce qui va se passer, bon, quelque chose d'incroyable. State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Ah, ils vont nous apprendre à utiliser le mode photo. Très, très bien. Maintenez L2 pour cadrer l'appareil photo. Ok. Appuyez sur R1 pour prendre une photo. Ok. Pas ouf. Ça fera l'affaire. Ah, la carte a dû se recalibrer. 16 monuments à prendre en photo, très bien. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Je devrais continuer à chercher d'autres monuments à l'occasion. D'accord, forcément il y aura, je suppose, la statue de la liberté et bien d'autres. Très bien, 16 monuments, incroyable. Incroyable, toujours. On découvre, on est à l'épisode 4, on découvre toujours des petites quêtes secondaires. Très bien, on va quitter le mode appareil photo. Et on peut continuer, visite touristique. C'était encore qu'un tuto. C'est Monsieur Lee. Allô ? Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt alors. Le jeu est quand même magnifique. Ok, j'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. Très bien, explorez la ville pour améliorer votre équipement et vos capacité. Ah bah ça c'est plutôt cool. Donc épisode 4, il nous entraîne à faire des quêtes annexes, chose qu'on avait déjà fait en grande partie. Place, on a quelque chose. Un cambriolage. Rendez-vous à Madison. On a quelque chose, on a un monument, on a des tours, on a pas mal de petits trucs. On va faire ce monument là. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Il est juste ici. Aïe! J'ai failli tuer quelqu'un. J'ai failli tuer quelqu'un, c'est terrible. Donc est-ce qu'il faut se mettre exactement là? Je pense, non? Sortir l'appareil photo? Mais alors quel serait le monument, celui-ci? Impossible. C'est impossible. Non, c'est pas celui-ça. Trop bien. Ok, si. Si. The Flatiron Building, me semble-t-il. Très bien, ça c'est bonjour, fait. Bonjour Monsieur Muggins. Si c'est à propos du loyer? Monsieur Parker, cet appel est votre troisième et dernier avertissement. L'expulsion... Attendez, attendez! Je suis payé en fin de semaine! Je peux... Oh. L'expulsion débutera vendredi si vous ne procédez pas au paiement total avant la fin de la journée. Au revoir. Bonne journée. Ok, va falloir penser à payer son loyer. Je vous ai dit, hein, le métier de super-héros, les gars, ça rapporte pas des masses. Et le docteur Octavius, il a pas l'air de payer à l'heure. Ça risque d'être assez terrible. Et à mon avis, habite à New York, ça doit coûter une sacrée blinde, je pense. Salut, Monsieur Lee. Salut Peter, tout est prêt pour la fête, on attend plus que toi. Cool, je me mets en route. Mais avant ça, on va faire quelques tours quand même. On est parti, on va aller voir Monsieur Lee. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire d'intéressant. Avant cela, on va hop, activer le signal. Salut les gars, les flics ils sont choqués. Il y a toujours des flics sur les toits, je sais pas si vous avez remarqué du commissariat. À New York, ils adorent les toits. Ok, quoi, c'est vraiment, on n'est pas dedans là les gars. Allez, ça c'est fait. Midtown, toujours 2 sur 3, c'est plutôt pas trop mal. Direction la dernière tour, histoire qu'on l'active. Si à chaque épisode on fait pas mal de petites tours comme ça, on a un monument encore, on a un monument. Il est où? Il est par ici. Ah, faut que je prenne ça. Okay. Faut que je prenne ça en photo, bougez pas. Ah, il y a tellement de choses, attendez, il se passe tellement de choses. Oh, ça fera plaisir à Fufu ça. Ça fera plaisir à Fufu, boum. C'est fait. Jetons de monument, je me demande ce qu'on va. Peut-être des nouvelles tenues juste avec les jetons de monument. Je pense que ça pourrait être pas mal. Hop, on va ranger l'appareil photo. Donc ça veut dire qu'on peut prendre des photos quand on est en pleine action. Ok. Allez, ça c'est fait. Je vais devoir vous demander de quitter le magasin. Ça c'est fait. Hop, petite esquive. Oh, je suis boss. Waouh! Il m'a kalachnikové! Ok. Oh, les... Faut passer son temps à esquiver.
Oh, c'est terrible. C'est terrible. Les gars, faut passer son temps à esquiver. H24, y a pas de... Y a pas d'alternative possible. Hop, ça c'est terminé. Allez hop. C'est ce qu'on appelle le coup de la poubelle, bien évidemment, dans le milieu. Ah, il est encore vivant. Hop, un petit coup de pied. Pied-bouche. Double pied-bouche. Voilà, une petite gifle pour l'humilier devant ses potes. C'est terminé. Allez, on se casse. On a fait 3 quêtes sur 5. Au niveau de Midtown, on va aller voir Lee et on va voir un peu ce qu'il a à nous dire. Parce qu'à mon avis, ça va être très intéressant. Désolé, pour l'instant, ma conduite aérienne n'est pas fluide. Oh, on va essayer d'améliorer ça dans les épisodes à venir. Les gars, on n'est qu'à l'épisode 4. Hein. J'ai joué que 1h30 jusqu'ici. Et encore, il y avait les cinématiques, les tutos et tutti quanti. Donc, considérez que j'ai joué qu'une heure. C'est pas très fluide encore dans ma gestuelle. Mais après, je pense qu'on sera les boss. Clairement, je vous le dis, on sera les boss de New York. Ça, c'est beau, ça. Putain, ce que je propose là. Oh là là, voilà, tu vois. Ça, c'est de la fluidité qu'on aime. Wouh, j'ai failli mourir. Ok. Il est loin, là, lui. Je sais pas ce qu'il fait, mais le frérot... Ok. Ok, 200 mètres. Ça devrait être rapide. Il y a des choses à faire. Hein. Il y a des monuments, il y a plein de trucs. On va pas... j'ai vu vos commentaires de l'épisode 3. On va pas passer à côté dès qu'on a l'occasion. Où j'ai mis mon sac. Il n'y a pas de souci. On y va, c'est pas ici. Lee ! Hop. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ? Un nouveau costume ? Ce serait énorme. Énorme ! Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. C'est sympa parce qu'on rentre dans pas mal de bâtiments, en civil ou autre, et c'est plutôt cool en vrai. Genre tout ne se passe pas spécialement en extérieur. Donc on doit trouver Monsieur Lee, il est là-haut. Salut Peter. Joyeux anniversaire, parlez à Martin Lee, très bien. C'est son anniversaire ou c'est le mien ? Ce serait cool que ce soit le mien. On va voir, je pense que ça va partir en cacahuète, vous le savez les gars. Oh, elle est mignonne la télé. Ah, Peter, comment ça va ? Non, je fais que passer. Ah. Ah. Ça c'est fait. Martin Lee. Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Eh, hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider ? Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes... Non, pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour... J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter, tu as des problèmes ? Tu as besoin d'argent ? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça ? Quoi ? Non, pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi, c'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Peter. Que se passe-t-il ? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années... Tu m'as aidé dans mes études, tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Un message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors.
Ok. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la même tante May que Homecoming, n'est-ce pas? On l'a tous vu le dernier Spider-Man. En tout cas, j'espère pour vous. Et c'est vrai que là, bah là, la tante May, elle fait plus tante. Hein. Dans le film d'Homecoming, c'était vite. Ah, on Salut. Peut parler. La partie se passe bien? À ton avis, je gagne, bien sûr. Il commence à devenir sénile, Pete. Je suis en train de l'écraser. Oh, le plus important, c'est de s'amuser. Je m'amuse comme une gamine à lui botter les fesses. Oh, j'entends de loin, hein. Je suis le boss, en même temps je suis Spider-Man, donc au bout d'un moment, si je suis pas capable d'entendre les mecs de loin, ça risque d'être assez terrible. On y va! Un appel de Yuri. Qu'est-ce que tu as à me dire? Oh, il fait nuit déjà? Incroyable, j'ai hâte de voir New York de nuit. Par contre, pas de météo dynamique, j'ai l'impression, c'est la météo change en fonction au fur et à mesure de l'histoire et des événements, tant qu'on ne va pas à un événement... le temps ne change pas, ne se déroule pas. Un petit peu dommage là-dessus. On est donc bien de nuit. C'est magnifique. En vrai, les gars, tiens, on va aller en haut de l'Empire. Message vocal de Yuri. Hey, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un œil? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk? Génial. Je me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Allez! Direction la salle de vente aux enchères de Wilson Fisk, de ses objets. Et on va surtout tout en haut de l'Empire State Building, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. Agent, répondez. On a un 10-10, vente de stupéfiants. Attendez, j'ai pas le temps, les gars, je dois voir... Ça va, vente de stup. Je me demande si la nuit a des nouvelles... Non, attendez. Ah, ma vie est nulle. Ok. Je ne t'ai pas vu quitter la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Attendez. Désolé. Je vais y arriver. Attendez. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. C'est bon. Arrête, ton mais. Damn. Après avoir perdu mes parents et mon oncle Ben, il y a tellement de fois où j'aurais craqué si t'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. C'est quand même magnifique. Hein. C'est magnifique ce qu'ils font. Bon, là, c'est moins beau là-haut. Clairement, il y a du clipping de texture. Mais jusqu'ici, c'est plutôt très, très propre. Magnifique, on se casse. Allez, on y va. Direction la vente aux enchères. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer, quoi qu'il arrive. Ça va partir en couille, vous le savez. Hop, celle-là, on l'a fait. Ok, très bien. Là, on a un sac. On va aller le récupérer vite fait. Je rappelle que tout ce qui est au passage, on prend le temps de le prendre. On prend le temps d'aimer. Ok, il est où? Il est encore en bas. Très bien. Hop, ça c'est fait. On se casse. Allez, direction normalement la vente aux enchères si tout se passe bien. Il y a encore un monument. Bon, on verra. Ah putain, il y a un crime. Allez, ça va m'entraîner au cas où. Que serait New York sans ces trafiquants? Oh, c'était stylé en vrai. Oh putain. Vous comptez déclarer ça aux impôts, n'est-ce pas? Ok. Ça c'est fait. Ok. On va prendre cette arme. Lui, on va essayer de s'occuper du plus chaud. Allez, on le remet. Putain, j'arrive pas à le dégager du toit. Oh, bien joué à lui. Bien joué à lui, c'était une belle patate. Ok. Putain, lui, très chaud de s'en débarrasser. Et ça, c'est terminé. GG, on a été les boss, clairement. On a clairement été les boss. Moi, ce qui me fait planer, trois c'est chez les criminels de Dilley. Ok. Allez, on y va, les gars. Si j'étais flic. D'accord. On saura jamais la suite. Sachez que s'il était flic, en tout cas... Allez, on y va. Il y a une tour là-haut. Oh, ça peut être intéressant de la faire. Il y a une tour là-haut aussi. Oh, ça peut être intéressant de la faire. Laquelle on va faire en premier? On va faire celle-ci. Allez, go.
ça devrait être normalement rapide à faire. Boum! Dis-moi tout, je te dirai qui tu es! Ok. Aucun souci. Ça, c'est fait. Midtown, couverture complète. Et il y a un sac juste à côté d'ailleurs. Donc on va aller le prendre, il est juste en bas. Voilà, il est là, sur la pente glissante. Spider-Man a beaucoup... Bon, regardez comment il marche. J'ai pas envie de tomber. Ok, c'est fait. Un t-shirt, très bien, t-shirt du lycée. Attention, attaque en cours. Allez, une autre tour. Oh putain, bon allez, les gars, vraiment parce que c'est vous. Très bien. Il y a une agression en cours, il faut que je les arrête. Ok. Bien joué, ça a été le boss. Attention, je rends le coup. Ça a été le boss. Hop. Clairement là, je suis monstrueux. Boum, c'est terminé. Allez. Ah. Oh, et c'était chaud. C'est ironique, mais une bonne raclée vous apprendra qu'il faut pas frapper les gens. Lancer 3 objets sur les ennemis. Ah merde, on aurait peut-être pu gagner un autre jeton. On aurait peut-être pu gagner un autre jeton. En soi, par contre, pas dégueu hein, ce qu'on a fait. Hein. On a été clairement monstrueux. Et on en était où? J'en étais à l'antenne. Elle était là-haut. Je crois que c'était celle-ci. Hop, j'ai pris un arbre. Hein. C'est rien. Allez. Très bien. Oh, c'est stylé. C'est tellement fluide. Normalement, c'est tout en haut. Aucun problème. J'arrive, les gars. Attendez, je peux pas, les gars. Je peux pas régler tous les crimes de la ville et... Putain, c'est terrible. On va faire encore un épisode uniquement de quête annexe. Bon, on a fait quand même l'anniversaire de Tank, mais... Allez, là. Je suis débile ou quoi? J'ai tendance à m'énerver très rapidement. Bon. Aucun problème. Très rapide, celui-ci. Ah, putain. On a un QG de... QG de Fisk. Très bien. Très très bien, on a le QG de Fisk juste ici. Donc ça marche par vague, souvenez-vous, ça risque d'être très chiant. On va peut-être pas le faire tout de suite. On a quoi d'autre? On a un monument. Ok, on a un sac. La moitié des tours de surveillance sont déjà réactivées. Quand l'inspecteur Spider est sur le coup, quels que soient les obstacles... Le manoir des Avengers! Résultat, garante... Non, 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 non. Elle refusait de l'admettre. Mais la capitaine commençait à apprécier l'inspecteur Spider. Sa manière désinvolte de bousculer l'ordre établi lui apportait une bouffée d'air frais. Et elle finirait par s'y faire. Ok! On va faire la petite antenne là-haut. Normalement, elle est pas loin et elle est près de notre objectif. Oh, on va avancer un peu, on va avancer un peu. Parce que, les gars, ce serait que moi, je vous ferai direct toutes les quêtes secondaires. Oh, j'ai pris ma part là. Ok, ça va être chaud, hein. Si on se bat à Central Park. Débarre, on a une tour ici. Hop. Et maintenant, les mails des auditeurs. May du Queens nous écrit. Vous êtes rempli de colère et vous devriez consulter quelqu'un, c'est très mauvais pour la santé. Je sais bien que ça part d'un bon sentiment. Mais je me dois de corriger cette idée reçue que j'entends régulièrement. Je ne suis pas rempli de colère, je suis rempli d'amour. Je dénonce l'injustice, la corruption et les crimes contre l'humanité parce que j'adore cette ville et je veux qu'elle aille mieux. Ce que vous entendez dans ma voix là, c'est rien que de l'amour. Ok, on va activer le deuxième de Central Park. Ça devrait le faire et je me demande où on prend la photo. Mordu de vitesse. Ouais, c'est vrai que j'aime bien. C'est vrai qu'on commence à se connaître maintenant. Attendez, les gars, doucement, putain. Doucement, doucement, doucement les potes, s'il vous plaît, laissez-moi un peu le temps de respirer. On a le temps de rien faire pour l'instant, c'est horrible. Ça c'est fait, Central Park couverture complète évidemment. Et le crime était juste ici, ça va, c'est pas loin. Est-ce que ça s'est rechargé? Oui, je vais pouvoir coller deux mecs, ça c'est plutôt cool. Ok, ils sont juste ici. Allez! Ok, bien joué, j'ai essayé d'envoyer un objet, bien joué, bien joué, bien joué, y'a rien à dire. Ok, lui on va s'en occuper parce qu'avec son flingue il est casse-couille. Ça c'est fait. Oh, c'était beau gosse. En vrai, c'était beau gosse de ouf. Je lui ai mis sa part.
Ok. Oh, le beau gosse. Je lui ai mis sa part de ouf. Oh, bien joué. Ok. Ok. Putain, c'est chaud. Bon, pour l'instant, mon seul point faible, clairement, c'est les armes à feu. C'est compliqué. Toutes j'ai un petit peu de mal. Se prennent pour le nouveau. Je vais pas vous mentir. Leur seul point commun, c'est la prison. Mais les armes à feu, j'en prends plein la gueule. On est déjà bientôt à une demi-heure de vidéo. Je sais pas si c'est pas mieux que je traîne un peu dans le ghetto, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça serait mieux. Honnêtement, je pense que ça serait mieux. On va faire ça. On va traîner un petit peu. On va faire quelques antennes à gauche à droite. Et comme ça, on n'aura plus que les crimes à faire. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Ok. Et on est bien. Parfait. Allez. On va faire un maximum de tours. Comme ça, on sera tranquille, entre guillemets. J'aime bien les faire, mais si on peut avoir toute la map assez rapidement, c'est pas plus mal. Tiens, on a un monument en plus. On va le faire. On va faire un max de jetons. J'aimerais bien vous proposer très bientôt un nouveau costume. Déjà, ça serait plutôt cool. Ok. Elle est bonne. Allez, ça c'est fait. On a un sac. On a... On a un crime. Allez, on va le faire, ce crime-là. Un crime en voiture en plus, qui plus est. Peut être pas mal. Oh la vache! Il faut que j'arrête cette voiture! Tu drift un maximum! Ok. Oh le bâtard! Oh le beau gosse! J'ai vraiment pris une balle! Mais arrêtez! Ok. Est-ce que le klaxon joue la cucaracha? Ça, c'est fait. Qui d'autre? Ça, c'est fait. Qui d'autre? Ça, c'est fait. C'est pas fini. Maintenant, il va falloir arrêter la voiture. Je commence déjà à prendre l'habitude. Voilà. Je suis basse. Aucun problème. Et là, ils vont venir encore et encore. Et c'est là où ça risque d'être un petit peu compliqué. Encore des malfrats? Ils se sont donné le mot? Mais non, c'est injuste! Mais... Oh putain, catastrophe. Hop, ça dégage. Quoi d'autre? Voilà. Une bonne chose de faite. Et ben voilà! Chauffeur fou dans cette les gars! Quand je vous dis qu'on va s'améliorer, maintenant que j'ai compris le système, eh ben on y arrive du premier coup sans se faire toucher. En plus, on a gagné un niveau. Et on a... Oh, augmentation de santé plus 10. Ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que j'ai l'impression que ça part très très vite. Hop. Là, on est pas mal du tout. En plus, on est près de notre objectif, les gars. J'espère que cet épisode vous a plu, même si on n'a pas fait grand-chose finalement. Je vous l'accorde. Ok. Allez, Upper West Side, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2-3 petits trucs quand même, on va pas s'arrêter là. Si on peut gratter quelques minutes. Regardez, il y a pas mal de trucs ici à faire. Des sacs, on va regarder aussi les tenues qu'on peut débloquer. Attention, unité. Allez, on va se le faire. Rendez-vous à Columbia. C'est pour ça que tout le monde s'accroche. Fisk disparaît et soudainement c'est la foire du crime. Ok. Allez les gars, on tombe bien que ça. Ok. Ça c'est fait. Oh je suis le boss de ouf. Allez, c'est terminé pour eux. Les gars, on a tellement vous géré. Bon côté. Je deviens un monstre. Si je vous avais laissé. Ça y est, il aura fallu l'épisode 4 pour devenir monstrueux. Tiens, on a une tour là-haut. On y va. On va essayer d'en activer un maximum. On a même une autre tour juste après. Ah, ça va vite. Hein. Ah, ça va vite quand on s'amuse. Hein.
En vrai, ça va. Bah, ça va vraiment vite en fait. C'est pas... y a pas de vanne. C'est que ça va vraiment vite cette connerie. Hop. On est arrivé comme un poil de cul sur la soupe, si je peux me permettre l'expression. Hop, ça c'est fait. Upper West Side, couverture complète. On va faire l'autre antenne parce qu'il y en a une autre. Je la vois. Je sais que vous la voyez aussi. Avec le petit sac là-haut, on a un monument. Ok, je sais pas ce qui t'arrive, Spider, mais Spidey voulait pas s'accrocher, je vous avoue. Les individus sont armés, prudence avisée. Ah putain, merde, agent près de Devil's Shelf, rendez-vous sur place. Excusez-moi, pardon. Hop. Ça c'est fait. Ah, c'est vraiment l'épisode consacré aux quêtes annexes. Je l'appellerai d'ailleurs les quêtes annexes, tu vois. Je dois prendre une photo, mais je dois prendre une photo de quoi? Ça, vous croyez? Je pense que cool. Ok, j'avais oublié à quel point j'aimais la photo. Lincoln Center, très très bien. On a encore des monuments, on a des sacs. Bon, ça, les sacs, on en a partout. On va faire les antennes surtout. Très important, l'antenne. Oh putain, non, pas là. C'est un QG de fisc. Ça risque d'être très compliqué aussi. On va plutôt faire l'antenne là-haut calmement. On va pas chercher les embrouilles. Regardez, il y a deux antennes. Ça va très très vite. Quand t'en fais une, de toute façon, t'en fais 10. Et ben voilà. C'est cool. Ça fait plaisir qu'on se débarrasse de ça. Comme ça, l'épisode 5. On pourra aller un peu plus rapidement sur les quêtes. Ok, Hell's Kitchen. Wow. C'est là où il y a Darkville. Ok. Hell's Kitchen, c'est fait. On a une nouvelle antenne là-haut. Sûrement la suite d'Hell's Kitchen. Quartier très sombre et malfamé, n'est-ce pas? Trafic de drogue en cours. Prudence pour toutes les unités. Attendez, j'ai pas le temps, les gars, pour vos conneries. Oh, c'est... oh putain, c'est pas mal. Là, tu sens que c'est fluide. Tu sens que c'est tellement fluide. Oh lol. Incroyable, incroyable. Je me kiffe. Je me kiffe, les gars, écoutez. Allez, on est parti. Ok. Aucun souci, Hell's Kitchen, partie 2. On va essayer de faire la troisième pendant qu'on y est. Et après, on va aller voir la map un peu, ce qu'on a déverrouillé. Elle est là-haut, la troisième partie, je pense, non? Là-bas, on a un monument. Je pense clairement que la troisième partie est là-haut. On y va. On est reparti. Ce qui est bien, c'est que quand on est en l'air, la musique reprend direct. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, on a un monument. On va essayer. On va le prendre aussi. On va en profiter, bougez pas. Je suis boss. Trop bien. Je suis boss de ouf. Oh là, on se permet des choses maintenant. Ah bah les gars, on se permet des choses de ouf. Ok. Incroyable cet épisode, mine de rien. Même s'il s'est rien passé. Allez, ça c'est fait aussi. Hell's Kitchen, couverture complète. Putain, ça va vite. Arrêtez-moi. Ok. Niveau carte, on en est où? Matez ça, les gars. Regardez comme c'est propre. On a tout bas de la carte. Bon, par contre, ce qui fait mal au crâne, c'est de voir tous les sacs. On a Central Park. Il nous reste... putain, il nous reste 6 ans. Cinquantaine. Cinquantaine, les mecs. On y va. On se les fait, hein. Eh, franchement, on n'est pas là pour compter, les mecs. On va se les faire. Les mecs et les demoiselles, bien évidemment. On y va. Objectif antenne, les gars. J'ai pas le temps. Bon, allez, on a toujours le temps. Yo! Devinez ce que je pense des raqueteurs. Ça c'est fait. Ok, bien joué à toi, t'as été le boss. T'as été le boss aussi. C'est des petites patates que je mérite, tu vois, qui me rappellent qui je suis un peu. Que je ne suis qu'un simple humain. Oh là 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 là. Attends. Tu sais, c'est... ah, j'ai par ici. Une propriété de... j'ai par ici le troisième objet. Bougez pas, parce que là, les antennes avec ces conneries. Clairement, j'ai été monstrueux. Ce fut très rapide. Je vois pas d'antenne. Et ça, c'est terrible. Ok, sûrement parce que je regarde dans la mauvaise direction. C'est totalement par là-haut. Allez, on y va. On aura fait en un seul épisode l'intégralité de New York, quasi. Et ça, c'est plutôt cool. Et boum!
Allez, c'est par là. En plus, je crois que mon objectif est là-haut. On va quitter Hell's Kitchen. C'est vrai qu'on s'est aventuré super loin, mine de rien. Et normalement, je pense, parce que j'avais vu dans un trailer, quand on va affronter les Sinister Six, à mon avis, on sera sur une autre île. Donc je pense qu'il n'y a pas que New York. Ça sera sûrement que pour le scénario, mais ça vaut le coup. On en est où? Putain, c'est... Ah ouais, c'est vraiment... Rendez-vous dans le secteur de Devil's Shelf. C'est vraiment loin. Éliminer le malfrat, j'ai pas le temps, les gars. J'ai pas le temps, j'ai des choses beaucoup plus importantes à résoudre que de potentiels meurtres. Ah, il y a un truc que je voulais voir. Je me suis toujours posé la question. Est-ce qu'on peut voir... Oh putain, voilà, c'était ça. Bon, c'est modélisé à l'arrache, c'est dégueulasse. Hein. C'est que des salons. Mais est-ce qu'ils avaient fait l'intérieur? Et franchement, ils ont fait un petit intérieur. C'est grave stylé. Tu sais, parce que sur PS2, forcément, quand les lumières étaient allumées, ils avaient rien modélisé. Hein. Non, 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 c'était un faux... C'était dégueulasse. Hein. Là, on a au moins un semblant de pièce. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. Ok, on va pas à notre objectif. Incroyable, je crois qu'on a au bout du fil une auditrice béotienne qui pense que Spider-Man nous a tiré du pétrin. Voyons si je peux lui remettre les idées en place. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Oui, je voulais juste vous dire que Manhattan ne m'avait jamais semblé aussi calme et aussi sûr. Rappelez-vous comment c'était avant l'arrivée de Spider-Man. Très bien, d'accord, comparons. Avant, on avait des policiers et des pompiers qui faisaient un travail formidable. Il y avait des crimes, ok, mais ça restait dans leur corde. Bien sûr, on a des trucs aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Des tarés qui lancent de l'électricité avec leurs yeux. Des tas de sable qui marchent. Des abeilles nazies. Oh, c'est tellement stylé quand ils montent ça. Ils ont tous envoyé en prison, non? C'est pas la question. Ils n'existaient pas avant que ce taré débarque. Au mieux, ils les attirent, mais je me demande souvent s'ils ne sont pas de connivence. Waouh, j'avais jamais entendu quelqu'un prononcer connivence. Écoutez, ce que j'en dis, c'est que j'ose pas imaginer ce qui se serait passé si tous ces gars s'étaient pointés en l'absence de Spider-Man. Encore une cause perdue. Au revoir. Allez, ça c'est fait, Harlem. Forcément, ça dégage. Et on est où? On est où sur les autres antennes? Elles sont là-haut. On va peut-être s'arrêter là. On va finir les antennes, prochain épisode, et après, uniquement... quête principale, histoire que vous kiffiez un petit peu. Allez, on va chercher le sac qui est juste en bas quand même. Hein, on va pas... on va faire un petit effort. Hop. Il est juste ici. Intervention d'agents requises pour assister des civils en danger après un accident. Allez, boum. C'est fait. Le sac est récupéré. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On a récupéré 15 sacs sur 55. J'espère que cet épisode vous a plu, même si c'est que des quêtes annexes. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour l'épisode 5. Où on va continuer notre aventure principale et ça risque d'être incroyable. À très vite tout le monde. Ciao ciao.